Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Skyrim. On est encore et toujours à Fort d'Hiver, comme vous pouvez le voir. Et aujourd'hui, on va se faire un petit périple plutôt sympathique qui nous amènera à Aube Étoile. Ensuite, on ira à Mortal. Et pour finir, on retournera à Solitude, histoire d'en apprendre un petit peu plus sur cette fameuse guilde des bardes. On va commencer notre parcours au Bastion des Vigiles. Allez, c'est parti! Alors, on va dégainer notre arme. On ne sait jamais. Droit devant, nous avons un campement de géants. Donc, on va en profiter. On va le faire apparaître sur notre map. On va se mettre en furtif. Histoire de ne pas attirer l'attention. Col de la route rouge. Ok, parfait. On s'éloigne tout doucement, sans faire de vagues. Voilà, nickel. Sortez-vous. Bon, attention. Allez, zombies putrides. Boum, ça dégage. Allez, un de moins. Zombie putréfié meurt. Ok. Bien. Je ne sais absolument pas d'où ils sont sortis, mais pourquoi pas. Allez, on continue. On avance. Oh, là-haut, j'aperçois un hôtel. On va aller y jeter un petit coup d'œil. On ne sait jamais. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Hôtel de Dibella. On a un petit livre ici qui augmente notre niveau d'illusion. Très bien. Rien de plus, non. Allez. On part d'ici. J'aperçois des loups. Avant de les affronter, je vais jeter un petit coup d'œil sur mon niveau de magie. Sur la masse de Molagbal qui est totalement à sec. Allez, on va la remplir. Voilà, on augmente l'enchantement, c'est parfait. Allez, elle est chargée à bloc, on y va. Allez, venez par là. Boum. Et voilà. On n'oublie pas de récupérer les pots. Généralement, ça se revend plutôt bien. Alors là-bas, nous avons un énorme château. La ville d'Aube Étoile n'est plus très loin.
Bon, tant pis pour ce point-là. J'y reviendrai un petit peu plus tard. On a une cabane aussi là-bas. Oh, y a tellement de choses à voir. Ah, la ville est juste en bas. Parfait. Attention de ne pas glisser. Hop là. Aube étoile, nouvelle découverte. Ça, c'est vraiment super. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le coin? Là-bas, on a un tertre. Du coup, on va en profiter et ensuite on se mettra en route en direction de Mortal. Alors, le tertre est droit devant. On va se mettre en furtif quand même. On ne sait jamais. Ruine de Folvent. Bah, puisqu'on est là, on va aller visiter tout ça. Hein. J'ai été détecté par contre. Ah, ok, un Ragnar. Viens par là. Allez, boum. Parfait. Alors, voyons voir ce qu'on trouve ici. Activer piédestal. D'accord, d'accord, il ne se passe rien. On n'a pas un petit coffre de cachet, non. La tristesse est totale. Eh bien, tant pis. Alors, petit point carte. Tac, je place un petit point de repère. Je vais sûrement me téléporter au camp des sombrages. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on aurait des petites potions à récupérer par hasard ? Ok, pas mal. J'espère que je ne serai pas de corvée de patrouille. Si vous avez le temps de vous plaindre, c'est pas si mal. Mouais. C'est vraiment pas folichon ce qu'on trouve ici, hein. Mais bon, ce n'est pas grave. Allez, on part d'ici. Si vous connaissez de vrais enfants de bord de ciel, dites-leur de se rendre avant de vous. Hop, on va descendre par là. Voilà, on a un tertre juste ici. Une grotte dans ce coin-là. Alors, voyons voir ce qui se cache dans ce tertre. Ce sont des ruines, en fait. Ok. On a un petit coffre en adepte. Alors, voyons voir par où ça peut se passer. Ouh, ça casse vite, attention. Ouais,
C'est dans ce coin-là. Ouh non. Ça casse au dernier moment. Oh là là, j'aime pas quand ça se passe comme ça. Un petit cran encore. Non, c'était vers le haut. Voilà. De l'or, potion de vigueur, ok. Tout ça pour ça. Bon, rien de plus là-dedans. Non. Allez, on sort. Là-bas, on a une sorte de mine. Alors, on va suivre le marqueur direction ouest. Oh, on a des ennemis droit devant. Attention. Givre et père. Une de moins. Allez, viens par là, saloperie. Allez, ça c'est bon. On en a une troisième. Ok. Alors ici, on a une sorte de tour. On va aller jeter un petit coup d'œil. Ah, l'endroit est plutôt cool, hein. Oh, par contre, la bestiole qu'on a ici l'est beaucoup moins. Allez, viens par là, toi. Un petit chorus bien dégueu. Je supporte pas ces bestioles. Allez, un petit peu de soin, ça fait du bien. De la chitine de chorus. Oh, on a Hans qui est mort. Journal d'Hans. Livre de sorts flammes, des torches, très bien. Lisez le journal d'Hans. Alors. Livre. Journal de Hans. Activez le saut. D'accord. Ok, très bien. Le saut est juste ici. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Comment ça fonctionne, ça? Ouais, ça me gonfle. Allez, on fera ça plus tard. De toute façon, j'ai fait l'acquisition de ce point, donc... Allez, direction la ville de Mortal. On va désélectionner peut-être la quête. Voilà. Et on va se concentrer sur la ville qui n'est pas très loin. Et voilà. On est bien, on est bien. Je me demande ce que l'enfant de dragon peut faire quand les grises barbes. Comment pourrions-nous nous sentir en sécurité dans nos propres maisons? Notre langue,
pitié, ça suffit. J'ai parlé de vos problèmes, Aigrod. Elle s'occupera de tout le monde. Maintenant, reprenez vos activités. Nous n'avons pas besoin de sorciers parmi nous. Mortal a déjà assez de problèmes. Bah, ça ne sert à rien. Revenons à nos moutons. Vous avez des problèmes, messieurs, apparemment. Gardez la tête froide. Mortal est tout sauf un endroit sûr. Ah ouais? Laissez-moi dire. Homme essayant de gagner de quoi subsister. Quelqu'un vous a volé votre pâtisserie. Très mortal si c'était en mon pouvoir. Bizarre ce qui se passe ici. Hutte du thaumaturge. Voyons voir. Oh, on a de la popo. Tac. Tout ça, je prends. On en a encore ici. Parfait. Ici, je prends tout. Regardez ce qu'on trouve ici. C'est le paradis de la popo. Oh, un orteil de géant. Celle de feu, celle du néant. Poussière luisante, je prends tout. Oh là là, je vais le dévaliser, le pauvre. Il va rentrer chez lui, il n'y aura plus rien. Excellent, excellent. Tac. Oh, oh, ça c'est beau. Des petites bourses. Bien alignées là. Qui m'attendent sagement. Oh, ça j'aime bien. Encore de la popo par ici. Un petit coffre. Avec de l'or par ici. Ok, cool. On va passer à l'étage. On a encore un petit coffre par là. Avec de l'or, ok. Bien, bien, bien. Des petites piécettes. Voilà. Bon, bah écoutez, on va pouvoir sortir d'ici. Et à présent, on va aller à Solitude. Je vais me rendre directement à la guilde des bardes. Et je vais faire leur connaissance. Papa dit que je ne reverrai jamais plus Rogvir, mais il veut pas me dire pourquoi. Alors je crois que c'est ici, hein. Oui, l'Académie des Bardes, c'est pas la Guilde des Bardes. J'avais confondu. Bienvenue à l'Académie des Bardes. Je suis le directeur. En quoi puis-je vous être utile? Enchanté, monsieur le directeur Viarmo. Je cherche à m'inscrire à l'Académie. C'est toujours un plaisir de rencontrer un barde en devenir. Je dois vous prévenir, les candidats sont nombreux, mais nous acceptons très peu de monde. Lorsque c'est possible, nous demandons aux candidats de rendre quelques menus services à l'Académie. Et puisqu'on en parle, j'aurais bien une tâche qui conviendrait parfaitement à un barde en herbe. Que voulez-vous que je fasse? Elisif a interdit la crémation du roi Olaf, un festival organisé par l'Académie des Bardes. Nous devons la faire changer d'avis. Pour la convaincre, je veux lui lire le sonnet du roi Olaf, qui est une partie de l'Edda poétique, l'histoire vivante de Port-de-Ciel. Malheureusement, il y a fort longtemps que ce sonnet a disparu. Et c'est là que j'interviens. Voilà. D'après Giro, notre historien, la partie de l'Edda traitant du roi Olaf pourrait se trouver au répit des morts. J'aimerais que vous retrouviez ce poème.
Alors, c'est quoi l'Edda poétique ? Giro devrait pouvoir vous expliquer tout ça et vous raconter l'histoire du sonnet du roi Olaf. Vous devriez aller lui demander. D'accord. Pourquoi est-ce qu'Elisif a interdit le festival ? Comme vous le savez peut-être, le haut roi Thorig, le mari d'Elisif, a été assassiné récemment. Elisif est en deuil. Elle pense qu'un festival visant à brûler l'effigie d'un roi est de mauvais goût. J'ai essayé de la convaincre que le festival est vieux de plusieurs siècles et qu'il n'a d'autre objectif que de glorifier Solitude. Mais il me faut une preuve. Je pense que le sonnet du roi Olaf est la preuve qu'il me faut. D'accord. Que savez-vous sur les dragons ? Assez peu de choses pour tout vous dire. Leur retour nous a tous surpris. Giro Gemann doit avoir quelques livres qui en parlent à la bibliothèque, si cela vous intéresse. La guerre a beaucoup affecté votre académie ? Pas tellement. Mais en tant que barde, je trouve tout cela totalement déprimant. Il n'y a pas de héros dans cette guerre, pas de vainqueur et aucune issue réelle. S'il y a une chose que les bardes connaissent bien, ce sont les dragons. Dans 1000 ans, Bord de Ciel aura changé 100 fois de dirigeant. Mais le retour des dragons, ça n'arrive qu'une fois par ère. Ok. Bonne chance. Vous en aurez besoin pour retrouver le sonnet. J'imagine. Qu'il est bon de rencontrer un barde en devenir. Ah, ça c'est cool. Je souhaiterais une formation en éloquence. Alors, vous êtes au bon endroit. Génial. Oh là là, ça c'est bon. Allez, on achète tout. Voilà, parfait. Allez, ça augmente, c'est parfait. J'ai le tambour de Riorn. Enfin, ça fait 20 ans que je cherche ce tambour. Les vous montrer quelques astuces que j'ai apprises quand j'étais à l'armée. Viermo m'a dit que vous étiez en mesure de me parler de l'Edda poétique. Il vous envoie chercher le sonnet du roi Olaf ? Oui ! Il faut le récupérer maintenant que j'ai découvert où il se trouvait. Ce sonnet a été la contribution de Svaknir à l'Edda poétique, l'histoire vivante de Bord de Ciel. Chaque barde y contribue lorsqu'il le peut. Donc le sonnet du roi Olaf est une partie perdue de l'Edda ? Oui, c'est une partie très ancienne. Ce sonnet critiquait ouvertement le roi Olaf, alors au pouvoir. Outré, ce dernier fit exécuter le barde et brûler toutes les copies du texte. C'est du moins ce que l'on croyait jusqu'à ce que je traduise certains textes anciens l'année dernière. Nous pensons maintenant que le roi Olaf a enterré ce texte avec le barde. Si j'ai raison, Svaknir et le sonnet du roi Olaf doivent se trouver au répit des morts, là où gît le roi Olaf lui-même. Ok, très bien. Soyez sur vos gardes, vous ne trouverez pas que le sonnet du roi Olaf au répit des morts. Ouais, j'imagine bien. Ok, bon, bah c'est très bien tout ça. On va prendre notre petit niveau. On va le prendre en santé, encore une fois. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir améliorer ? Ok, ce n'est pas possible d'augmenter l'éloquence encore plus. Dommage. Guérison, peut-être. La magie se régénère 25% plus vite. Ouais. Ah, ça peut être cool, hein. Double guérison. Ouais. Armure lourde, peut-être. Ou alors le une main. Je ne sais pas trop, hein. Je pourrais également commencer le vol à la tire. Allez, on va prendre ça.
On va essayer de se diversifier au maximum. Hein. Allez, on peut sortir d'ici. Ataf. Le plus jeune barde de l'académie, à votre service. Ok. Au niveau des quêtes, à petit feu, trouver le sonnet du roi Olaf. Bah écoutez, ça m'a l'air d'être une quête plutôt sympathique. On va sortir d'ici. Et on va se mettre en route. Eh, vous voulez jouer au loup ? Oh non merci, je n'ai pas trop le temps, tu sais. Je dois me hâter de sortir de la ville. Si j'avais été de garde à l'ambassade du Talmor, personne n'aurait troublé la fête. Alors, jetons un petit coup d'œil sur la carte. Où est-ce que je dois me rendre ? Au répit des morts. Donc c'est ici. Ouais, c'est juste à côté de Mortal. Était tranquille avant, mais à l'époque le monde avait encore un sens. Alors, le répit des morts, où est-ce que ça se trouve ? De l'autre côté de ce pont, en tout cas. Ça, c'est sûr. Là, je vais risquer ma vie pour un simple sonnet. C'est complètement hallucinant quand on y pense. Mais bon. Oh, 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 qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, je les aime pas, ceux-là. Spectre des glaces, attention. Ça a tué très très mal, ça. Allez, viens par ici, saloperie. Oh non, on a un dragon qui s'invite à la fête. Un dragon de sang en plus. Oh là 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 là. Allez, toi t'es mort. Tiens, prends ça. Fait super mal l'enfoiré. Oh, wow, 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 wow. Je dois vraiment faire très attention à sa gueule. Et éviter de me faire boulotter trop rapidement. Allez, reviens par ici. Parfait. Allez, boum. Prends ça. Ouh, attention. Je prends très très cher. Vite, une petite popo. Potion de soin. Merci bien. Potion de vigueur également. On va essayer de recharger tout ça.
zut! Il a esquivé mon cri. Oh, attention! Parfait, ça! Allez, ramasse! Oh là 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 là! Je prends hyper cher là! Heureusement que mes soins sont efficaces! Potion de vigueur, on remplit la jauge. Potion de magie légère, j'ai besoin également de mana. Ah, plus de charge dans la masse. Est-ce que je peux la remplir rapidement? Vite, vite, vite. Allez, c'est parti. Ouh, on y va. Alors, petit enfoiré, tu veux me croquer, c'est ça? Un petit impact critique, ça fait toujours plaisir. Et je n'ai plus de magie, hélas. Je suis un petit peu dans la mouise là. Heureusement que j'ai pas mal de petites popos en tout genre. Potion de vigueur, potion de magie. Hop, je prends tout ce que je peux. On va lui mettre un petit poison peut-être. Allez, t'es calmé là? Allez, boum! Je t'ai eu! Oh le bâtard! Il était coriace, hein? Alors, donne-moi du loot. Hop, je prends tout. Et là, je récupère ton âme. Ouais, nickel. Waouh! Oh bah c'était pas gagné à la base. Hein. C'était un combat assez... assez complexe. Assez difficile. Il était coriace le bougre. Mais j'en suis quand même venu à bout. Alors par ici, on a notre objectif. Hop. Le répit des morts. Nouvelle découverte. Ok, bon. Je pensais trouver un petit coffre ou quelque chose dans le coin de caché, mais visiblement, on n'a rien. En tout cas, le coin est plutôt sympathique, hein, avec la chute d'eau au loin. Ça le fait bien, je trouve. Ici, qu'est-ce qu'on trouve? Des outils d'embaumement. Ouais. Rien de bien folichon. Bah écoutez, je crois qu'il ne me reste plus qu'à pénétrer à l'intérieur du répit des morts. Mais ça, on le réservera pour le prochain épisode. J'espère que vous avez apprécié celui-ci. Merci de l'avoir regardé. Quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement sur la chaîne pour de nouvelles aventures. Sur ce, jouez bien, portez-vous bien et à plus tout le monde. Allez, ciao !